Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul action et un haul saga cosmétique. Donc c'est parti! Donc on va commencer par le haul action parce que franchement il n'y a pas grand chose. J'en ai eu pour 10 euros, 60, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, mais franchement c'est pas... Voilà ma poche, hein, elle n'est pas beaucoup remplie. Donc à l'heure où je filme, nous sommes le soir, il est 22h et quelques. Donc c'est pour ça que la luminosité n'est pas terrible, terrible. J'ai essayé de mettre ma red light et un peu la lumière. Donc je me suis dit, on va faire un haul simple. Hein. Donc, je voulais aller chez Action surtout pour acheter des masques. Car là, à l'heure où je filme, on est à une semaine de mon départ en vacances en Belgique. Donc, j'ai acheté... deux paquets de masques comme ceci. Voilà. Deux paquets de masques. Donc, un seul paquet de masques coûte 99 centimes. Et il y en a 10 dedans. Moi, mes masques, je les prends que chez Action. Et c'est... Je n'ai pas été à voir ailleurs. Mais pour moi, c'est les moins chers chez Action. Et puis, ils sont bien. Voilà. Ensuite, vu qu'on part... en Belgique, j'ai acheté des petites gourmandises vu qu'on a 9 heures de bus, qu'on part en bus. J'ai acheté des petites gourmandises, donc les petits gâteaux aux céréales comme ceux-ci qui sont très bons à la noix de coco. Moi, c'est mes préférés, donc j'ai repris ça. Ça, je me rappelle, c'était 1,49€. Ensuite, mon chéri, il lui fallait des feutres indélébiles comme ceux-ci. Ça, c'était pas très cher, c'était 99 centimes ou 85 centimes, je ne m'en rappelle plus trop. Si j'ai gardé le ticket de caisse, je vous mettrai les prix comme d'hab ici. Donc, il y a un bleu, un rouge et deux noirs. Je vais vous montrer comment ils sont. Donc, un seul. Hein. La mine, elle est comme ceci. Ça fait comme un marqueur, en fait. Donc, voilà. Ça vaut vachement le coup pour des stylos indélébiles. Donc, voilà pour ça. Et j'ai pris, mon mari s'est pris ces petits biscuits là. C'est pas vraiment des biscuits, pour moi c'est comme de la pâte. Donc ça, ceux-là, ils sont à la figue et à la cacahuète et à la noisette. Et celles-ci, ils sont à la pistache et ils sont aussi à la... Ah, je ne me rappelle plus trop, j'ai un trou de mémoire du fruit, c'est de la cerise, voilà. Donc vous voyez, c'est à la pistache, cerise, noisette, voilà. Donc lui, il aime bien ça et il y a 3 barres dedans. Et ça, je ne sais plus, c'était 1€ et quelques, je vous redirai les prix, hein, je ne me rappelle plus. Et j'ai pris aussi ces lingettes-là, des lingettes désinfectantes. Je me suis dit pourquoi pas, je vais ramener ça aussi avec moi en Belgique. Comme ça, si j'ai envie de désinfecter, je ne sais pas, si je vais aux toilettes, à l'extérieur ou quoi... Et bien, je pourrais désinfecter, on sait rien. Mais ça peut toujours servir des lingettes désinfectantes. Voilà pour le haul à action. Et j'ai gardé la pépite pour la fin du haul à action. C'est ce petit plateau-là que j'ai trouvé trop mignon. Je ne l'avais jamais vu chez Action. C'est un plateau en verre comme ceci. Qui coûte 2,99€. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et vous voyez, il y a des strass. C'est strassé tout le long, comme ceci. Vous allez voir le décor. Voilà. C'est comme ceci. Voilà, je vais pas vous faire mal aux yeux. Mais c'est comme ceci. C'est très très joli. Franchement, pour 2,99€, je me suis dit ça... Je vais mettre mes parfums dessus. Je vais changer les anciens plateaux. Et je vais essayer de réunir tout sur le même plateau. Et puis, je verrai. Et puis, le truc qui est bien, c'est que derrière, il y a des bouts de silicone, on peut dire. Comme ceci-là, sur chaque côté. Donc, ça, c'est cool. Voilà pour ça. On va passer au haul Saga Cosmétique. Pareil, un Saga Cosmétique, il n'y a pas grand-chose. Il y a un seul pic. Voilà le sachet pour cette merveilleuse palette W7. Je suis trop contente. Je remercie la patronne de Saga Cosmétique parce que
Elle m'a dit qu'elle était arrivée, du coup ils me l'ont mis de côté. Et franchement, vous êtes super gentils. Que ce soit la patronne ou même les personnes qui travaillent à Saga Cosmétique, franchement, le Saga Cosmétique dans le centre-ville de Caen, ils sont top, ils sont accueillants, franchement, top, top, top. Et du coup, j'ai eu cette petite palette-là. Je l'ai achetée, trop contente. Je l'ai achetée 19 euros, il me semble. Donc, il y a un miroir et les couleurs, ils sont magnifiques, franchement. Si j'ai le temps de faire un make-up avant de partir en vacances, je le ferai. Mais autrement, je le ferai au retour de mes vacances. Donc, c'est-à-dire, vous l'aurez fin septembre, je ne sais pas quand vous l'aurez. Mais vous aurez un test avec cette palette, c'est sûr et certain. Quand vous voyez les couleurs, moi, c'est surtout toute cette partie-là qui me donne envie. Le vert un peu moins, mais bon, je me dis, j'ai pas de vert spécialement, de vert comme ceci. Donc là, la caméra, vous le voyez pas très bien. J'ai pas de vert spécialement comme ci, des bleus, bleus comme ça, j'en ai pas. Mais les violets, pff, évidemment, je vais vous faire des swatchs. Hein. J'ai acheté hier la palette, je l'ai pas swatché, j'ai voulu attendre pour la vidéo, faire ça avec vous, voir ma réaction en live. Donc c'est parti, évidemment, je vais taper dans les violets, mais je vais taper un peu dans toutes les couleurs. Je ne vais pas taper dans toutes les couleurs parce qu'il y a combien de teintes? Il y a 40 teintes. Donc oui, je viens de compter, il y en a bien 40. Donc je vais swatcher avec vous. Moi, personnellement, c'est cette teinte-là qui me donne envie. Donc, je vais swatcher ça avec vous. Je mets mes petits doigts dedans. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Donc voilà le tout premier fard qui est magnifique, qui est, hop là, celui-ci qui est trop beau. Je vais en swatcher un autre, je vais swatcher celui-ci. Oh, regardez-moi ça. Oh, elle est trop belle. Excusez-moi, je vais swatcher pas mal de violets, hein. C'est le dernier violet, j'arrête. Après, autrement, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc, j'ai swatché ce violet-là et cette teinte-là. Là, je vais swatcher un peu plus par là quand même pour vous montrer pour vous. Ensuite, je vais swatcher cette petite couleur-là. Après, je vais swatcher quand même des mattes. Je vais swatcher le petit vert-là. Et je swatche des mats après quand même. On va swatcher que des irisés. Donc le vert. Oh, c'est pigmenté. Hein. Le rouge bordeaux, on va dire. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Ensuite, on va swatcher du coup des teintes mates. Donc on va swatcher celui-ci, elle est en orange et un bleu. Allez, ce bleu. Waouh. J'ai hâte de la tester du coup. Hop, le bleu, le orange. Waouh, l'orange. Et le violet. Voilà. Je vais essayer de retourner la caméra pour vous montrer de plus près. Donc, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Voilà, là, vous voyez bien. Et je vais vous profiter de vous montrer les couleurs. Alors, voilà les teintes qui sont vraiment, mais magnifiques. Vraiment. Là, vous voyez bien parce qu'il y a la red light. Mais franchement, regardez-moi cette pépite. Donc oui, à Saga Cosmétique, moi je l'ai payé 19 euros. Après, sur d'autres sites, elle est un peu moins chère, je crois qu'à 2 euros de moins. Mais il y a quand même pas mal de teintes, quoi. Donc je suis contente. Je suis contente pour la palette Mardi Gras de W7, qui est comme ceci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça va être une petite vidéo avec pas non plus extra longue, ça change de d'habitude.
Donc voilà pour ce haul. Donc c'est le dernier haul avant que je parte en Belgique. Vous allez avoir des bons hauls pendant que je pars en Belgique. Hein, parce que je compte aller dans pas mal de magasins que j'ai pas par ici. J'essaierai aller à Mac. J'essaierai aller à The Body Shop. J'essaierai d'aller à les boules pour les bains, là, comment on appelle ça, les boules Lush, Primark évidemment, et le magasin que je veux trop aller, c'est à Creutzwald. Donc j'essaierai d'aller un peu partout. De toute façon, vous aurez un vlog vacances, un ou deux, je verrai comment je filme. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez craqué pour cette palette W7 ou que vous voulez craquer. Moi, je vous dis craquer parce que franchement, pour le prix, ça vaut le coup. En plus, elle ressemble à une palette qui coûte un peu plus cher qu'est sur Beauty Bay. C'est pas la marque Beauty Bay, je me rappelle plus quelle marque, j'essaierai de vous la mettre juste ici. Elle coûte, je crois, 40 et quelques euros et celle-là, 19 euros. Donc, elle est très très bien. Au swatch, en tout cas, elle est très très bien. Voilà, voilà, pour ce haul. Dites-moi si vous, vous avez craqué pour ce magnifique miroir. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Je vais arrêter de blablater. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bisous, bisous.